Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Texte sans complexe podcast. Non pas monsieur Texte, mais j'espère que nous en forme. Qui te rappelle que podcast ça, ce podcast côté nous fait des conversations avec des invités qui très passionnés qui a évolué dans différents domaines dans la société. Et jodi a comme invité, mon gars avec moi, un jeune créateur qui a évolué dans le domaine marketing digital. Monsieur Sarile Gaëtan Kaseus. Gaëtan, c'est qu'a fait? En forme, comment est-ce? Nèg en forme, on connaît nous là n'a qu'un bien. Yes. Bon, c'est un honneur pour participer dans podcast. Merci pour l'invitation. Oui, bon, nous allons faire podcast en deux temps aujourd'hui. Premier temps, nous allons constituer première minute pour nous parler de vous-même, de qui est-ce qui Gaëtan Kaseus, qui origine, qui ça le fait côté le sorti. Et puis deuxième temps, nous allons essayer pour nous voir si nous allons débattre un sujet sur marketing digital. Pour nous commencer, première question, c'est qui est-ce qui Gaëtan Kaseus? Gaëtan Kaseus, c'est un jeune digital marketeur qui focus spécifiquement sur social media marketing. Moi, aider créateur contenu avec entrepreneur brand grand business sur les réseaux sociaux. Et puis on peut faire ça à travers contenu m'a créé yo. Et puis il y a un podcast tout côté me parler de marketing réseaux sociaux spécifiquement côté m'inviter des entrepreneurs des monde qui gagne résultat sur réseaux sociaux pour partager expérience qui ça marche pour yo pour l'autre entrepreneur haïtien créateur contenu qui apprendre qui ça et stratégie ça pour appliquer dans business yo okay. Appliquer dans carrière en tant que créateur contenu pour même tout jeune résultat yo ka apprendre le dit difficile moi là parler de tête moi me dit tout bas mais spécifiquement c'est comme ça me toujours présenter tête moi mais un jeune digital marketeur même tu commencé tout tourner dans économie okay. Science économie ça me fait 3 ans et puis me devine faire mes dossiers tout récemment là okay. Ça me cas toujours tourner mais il y a pour quelques hommes devine font faire mes dossiers et puis me devine focus spécifiquement parce que me devine commencer travailler à temps plein devine focus spécifiquement sur digital marketing là et puis podcast là et puis le travail me fait dans domaine nan, digital marketing nan, spécifiquement so, okay. C'est la mienne au moment. Mais est-ce que tu étudies marketing management ou bien ou tu font certification en marketing digital bien que m'on a étudié économie on tire rapprochement avec marketing là mais est-ce que tu fait l'autre études dans le domaine ça même? Oui, je suis certifié dans digital marketing parce que j'ai gagné soit 2019 ou bien 2019 je crois. Okay. Oui, je suis certifié dans... Je suis toujours à pas apprendre comme c'est parce que j'étais un blogueur en 2016-2017, j'étais un blog. C'était domaine moi-même, j'étais un blogueur, j'étais un blogueur, les connaissances et réussites. Quand il m'a parlé de ça m'a appris dans le livre m'a appris sur développement personnel business de gagner l'autre deuxième blog qui était le livre inspirant ça me tenait mes blogs en pile m'étais écrit et puis me vienne le connaît l'on blog faut qu'amener trafic sur lui c'est ça que t'es venu faire m'entrer dans le domaine digital marketing là pour me comprendre SEO comment pour mener trafic sur blog là et puis me venir apprendre social media marketing tout ça me toujours à pas apprendre même t'es venu certifié en 2019 OK dans digital marketing. OK. Moi comprendre côté passion pour digital marketing dans sorti. Mais après de ça, puisque c'est une nécessité à l'époque parce que tu as qu'on écrit, ou tu as un blog, faut tu connais qui genre domaine dans marché même pour attirer trafic vers site là, mais après ça, on pas dire oublier économie, mais mon focus actuellement là c'est sur digital marketing là. Pour qui ça tourne ça? Yeah, bah c'est mélange partie créatif avec business là. OK. Partie chiffre là, OK. Partie chiffre comme c'est pour comprendre, pour qu'à mesurer données, pour comprendre ça qui marche. Partie scientifique là et partie créatif là, partie art là. Oui. Nous deux ça vraiment important dans business, je veux dire à nous importance créativité, importance storytelling parce que moi j'aime ça tout. Oui, parce que dès qu'on écrit, moi j'aime storytelling, moi j'aime partie créatif là dans business. Oui. Et là on va faire marketing digital. Faut gagner créativité et puis faut qu'à mesurer tout faut gagner partie analytique là pour qu'à comprendre ça que font bah marché mais c'est la passion en sorti tout tout à l'heure la présentation ou dit nous qu'on un podcast et me comprendre que c'est esprit créatif ça qu'il faut qu'on vienne avec idée podcast ça mais dis nous non qui objectif podcast ça pour qui public cible podcast ça pour qui moun oui podcast ça focus spécifiquement sur marketing réseau social le fait pour créateur contenu et entrepreneur. Son podcast en créole, donc il est fait pour les haïtiens. Ok, il est fait pour les haïtiens. C'est pour aider les gens à comprendre. Parce que
nous pas nous manquer contenu dans le domaine là comme si pour aider moun comprendre en créole comme si l'autre créateur haïtien qui a partagé expérience l'autre entrepreneur qui utilise réseaux sociaux pour joindre résultat pour partager expérience mais ça marche pour moi ça m'était pensé que un podcast et puis ça gagne peu l'invité tant que Kevin Mesidor qui sont créateurs contenu oui, qui oui. Mais gagne qui va connaître ça Mesidor. Yes, c'est November Ring, les Aurélie sur les réseaux sociaux. Comment elle a grandi audience en tant que créateur de contenu? Elle a gagné avec cette interview avec Clifford Desable. J'ai gagné en business e-commerce en tant qu'entrepreneur qui a utilisé les réseaux sociaux pour mener trafic sur e-commerce là pour jouer un peu le client parce que c'est serveur là qu'elle même les fait. Son business e-commerce, il fait. Je viens de résultats avec elle sur les réseaux sociaux, comment qui ça marche pour lui, comment je viens de trafic, comment elle attire les clients sur les réseaux sociaux. So, nous essayons de décortiquer la stratégie dans le podcast là, pour auditeurs, créateurs de contenu, entrepreneurs, capteurs de podcast, ça comprendre, qui j'ai qu'à appliquer ça pour le business, qui j'ai qu'à appliquer ça en tant que carrière aussi, vous voulez venir créateur de contenu. Tout. Ok, mais ou pas dans l'enseignement du tout, parce que nous avons des conférences qu'on fait des fois. Est-ce que vous pas rentrer dans l'enseignement même? Est-ce que vous avez des connaissances pour seulement ou partager? Même si vous pouvez partager de toi dans le podcast, à travers le podcast, mais est-ce que vous pas fait des bootcamps par exemple? Je compte faire quelques bootcamps. Même, ils ont invité dans des conférences. Ça a dit, je vais parler dans plusieurs conférences déjà qui parlent sur digital marketing. Je ne sais pas si connaissance pourquoi. Mais je pense que je fais un bootcamp. Tout même après un bon moment parce que je voulais offrir une bonne expérience pour sentir vraiment. Comme si j'ai toujours besoin over deliver. Okay. Comme si j'ai plus que ça mon a dépensé à. Oui. Ça fait peut-être son perfectionniste qui fait beaucoup j'aime lancer. Bon, son créateur, son créateur c'est disons c'est m'bap dit pour quelqu'un qui dit c'est point faible mais même toujours dit non c'est point fort nous ça parce que nous même nous toujours voulons pour nous viser l'excellence. Yeah. On comprend c'est pas faute nous c'est comme ça nié on prend ça tout créateur le plus souvent c'est comme ça oui. Yeah, même toujours prêt pour me partager ça, je connais dans le contenu que je crée, surtout sur Instagram, je crée contenu carousel, vidéo, je fais, je commence à créer vidéo sur TikTok, tout. Quand je partage des astuces, je connais TikTok, c'est contenu coûte. Je suis dans le temps, je partage des astuces, je passe des capitules, je crée des contenus, entrepreneur. So. Oui, bon, je me félicite pour la page Instagram, moi, parce que mon cher, la page Instagram, moi, son encyclopédie. Et digital marketing, bon, bah, dit, bah, on est bon, digital marketing, exactement. Parce que, mon cher, on a page qui est bien faite, on a template utilisé à chaque fois poser des, ou poster des informations. Et ces informations qui en créole, on prend ça, il est facile pour moun yo comprendre, parce que moun yo attendre des bagailles en anglais, mais pas comprendre ce que ça signifie. Mais on même essayer d'expliquer au d'une façon comme si qui couille en créole là. Yeah, c'est objectif là ça. Merci parce qu'on apprécie. Oui, oui. OK, nous sommes font belle rale mené vini pour nous venir dans sujet. Sujet simple. D'après ou même qui a évolué dans domaine, qui côtoie moun dans domaine, qui meilleure stratégie ou pensez un jeune créateur ou bien un entrepreneur ou bon simple citoyen qu'a utilisé pour le renforcer ou bien pour augmenter présence li sur réseaux sociaux. Pour moi, pour une question, ça a gagné un pile bon stratégie. Et ensuite, gagné qui moun, pour qui moun stratégie. Est-ce que son entrepreneur? Est-ce que son entrepreneur qui veut grandir personnel bon ni? Parce qu'on a importance marque personnelle qui gagne pour entrepreneur, pour business li, ça a petit business et tout. Est-ce que c'est un créateur contenu qui toujours a cherché, qui peut maîtriser partie business là, mais qui veut grandir audience? Okay. Parce que la majorité créateur contenu, pour maîtriser partie business là, c'est ça que fait. 80% n'yo pas un créateur contenu full time, yo gon job tout côté et puis pour même y a créer contenu parce que poukou ka gen revenu full time. Oui. So stratégie moun sa wap différent. Est-ce que son business local qui gen un espace physique qui vle utiliser réseaux sociaux pour grandir présence li pour accomplir objectif business li, stratégie la différent. Pour comment est-ce que son business en ligne, son e-commerce, tout moun sa wap stratégie wap différent. So ça pa dépend. Mais gen pile bon stratégie. Marche sur les réseaux sociaux. Ça va dépendre de plateforme, non, ça va dépendre de mindset là. Et mais ça va dépendre de pays à tout. Ça va dépendre de pays à tout. Exact. C'est tout, tout bas là, il y a un contexte là-dedans. Mais en général, premier, mon yo qu'on fait sur les réseaux sociaux là, par rapport à l'aussi marketing traditionnel, yo, c'est utiliser les réseaux sociaux pour faire publicité seulement. Yo pousse, pour pousser produit à chaque fois que yo fait, on demande mon yo acheter. Okay. Mais qui pas vraiment ajouter valeur.
pour les gens qui a consommé contenu. Hein. Par exemple, on vient sur les réseaux sociaux, lui, sur Instagram, sur TikTok, ou app scroll. Intention, c'est venir chercher, soit venir consommer contenu, divertissement ou bien éducationnel, vous comprenez? C'est pas forcément pour venir pour ouais, publicité. Exactement. Publicité a gagné quand même. Oui, mais, il est toujours là. Objectif utilisateur, c'est pas forcément venir une publicité, c'est ça que fait Spout Social. Dans statistique li ou te font étude li ouais première raison et t'as regardé qui raison que fait mon unfollow page réseau social li ouais première raison c'est parce que mon yo fait trop promotion l'aime dit trop promotion là on peut utiliser les réseaux sociaux pour business ou pour faire promotion mais l'aime dit trop promotion c'est tout compte nous poster c'est une publicité comme oui. Si c'est pour mon yo acheter c'est mon n'a pas vraiment joué dans un contenu en lien tiens selfish oui. Pour oui. Business en cap pour business en cap poster contenu donc une stratégie nous qu'a utilisé c'est 80% contenu yo doué contenu qui éduquer divertir l'audience là OK oui. Apprendre on par exemple un monde qui n'a fashion nous qu'a montrer mon yo bah mon yo des astuces de fashion au cas ouais ça nous même tout nous qu'a vivre ça déjà côté un créateur qu'on a suivi qui t'a bon astuces de fashion qui j'en pour habiller exemple l'elle sorti on rad doit plus acheter dans même qu'on l'autre monde qui pas même bon astuce ça OK justement de pour acheter rad là exactement ça me dit là donc 80% contre nous ca son stratégie 80% contre nous là ca là pour éduquer divertir inspirer audience ou motiver qui ajouter valeur dans la vie audience ou l'autre 20% yo focus sur promotion faire mon qu'on apprendre qu'on produit faire mon yo on focus sur vendre OK faire live répondre question mon yo faire mon qu'on apprendre qu'on qui produit à service offre pour même yo ca acheter nomo et mon a bien vie acheter nomo une bay moi les mon créer contenu éducationnel seulement inspiré audience qu'on y vont leur mais qu'est mon vie acheter un bay nomo comme ça ou trop ou dem trop comment mon vie comment so moi ça c'est dans cadre yon entrepreneur ben yon business ou comprendre ça me dit ou ben un monde qui on sep citoyen qui décide à faire vente sur internet là mais dans cadre yon te ka di pour aller puis direct dans cadre yon candidat par exemple un candidat qui prend l'élection et puis lui même il besoin augmenter visibilité sur internet là ou ben sur réseaux sociaux qui ça qui stratégie pense le ka utiliser. OK. Bagé expérience dans ça. Bagé expérience avec candidat dans monde qui dans politique qui veut utiliser. Bon c'est d'après ça me connaît son campagne. OK, son campagne on va le faire sur réseaux sociaux. Une pilier campagne ça, je vais l'utiliser n'importe plateforme ni hein, n'importe outil fonction plateforme ça ba pour communiquer avec audience ou. Une point qui pourrait central c'est storytelling là, qui j'en parle raconter histoire. Oui. OK. Faut le monde connecter avec histoire, c'est histoire qui pourrait soit inspirer pour monde qui connecter avant pour qu'a well lui faire sens pour choisir votre en tant que candidat. C'est sous ça on va jouer parce que c'est premier bar là c'est storytelling. Faut gon monde dans équipe pour essayer par où qui faut nous raconter histoire, qui faut nous raconter histoire. Après c'est qui gens pour l'utiliser, je tire sur ça ça yo ba ou pour faire histoire là arriver ça. Son moun yo. C'est comme si vous avez tête yo nan ou même. Oui, pour avoir tête nan ou même. Mais ça me casse encore. C'est le film clair sur story. Comme si. Vous connaissez dans toute histoire, vous avez un film qui a un moment, un caractère principal, on va dire comme ça. Et puis, il y a un challenge qui va le faire pour supporter le challenge pour le descendre. So, moun yo remè histoire ça. C'est histoire ça, moun yo remè. Ok. Film bien. Vous avez un moun nan story, nan équipe pour faire storytelling qui bien. Gérer ça avant qui bien structurer histoire là parce que il y a un peu de monde qui parfois nous raconte histoire pas qui j'ai pour me raconter pour le faire sens dans commencement qui ça vous mettez OK c'est pas fabriquer ou fabriquer non mais utiliser même son gain pour bien raconter le non-sens pour le toucher côté émotionnel monde là fin faire ça chaque publication pour le faire sur réseaux sociaux c'est une scène dans film là donc on scène c'est même histoire pour raconter mais c'est une scène qui lié avec histoire là oui faut le gain émotion faut gain oui l'aime dire une scène. Par exemple, dans un film, il y a toute histoire, mais il y a une scène. Dans un film, c'est toute scène, ça est important. Exactement. Chaque publication qu'on fait, on dit son scène. Son scène qui a bâillé mon yo, une idée sur. Oui. Communiquer une idée, communiquer un point dans l'histoire là, pour qu'on connecte avec mon yo. Il y a un pilote bagaille qui est allé dans. A fait candidat même pas vraiment. Oui, ou pas. Il oui. A parlé, même pas c'est basé à ça. Oui. D'après moi. Bon, on y a là et on prend un cadre et on prend cas Kevin par exemple qui c'est
un simple content creator sur internet là, li pa gon produit. Bon, on dit li gon produit la vente, li créé une image de lui-même. Son produit li quand même, on comprend ça m'dou. Mais on prend le cap là. Quelle stratégie vous pensez lui-même parce que qu'on fait au fond émission avec sur ça. Quelle stratégie lui-même était utilisé? Kevin gon presque gon histoire similaire avec Kabilame. Okay. On Kabila mais nous connaissons l'histoire, yeah. Elle te commencé dans les pandémies en fait lancer tout on a passé plus de temps sur les réseaux sociaux et puis il te commencé sur TikTok mais Kevin l'elle te commencé il dit c'est ça gain 2 ans les pandémies en fait lancer et puis ouais en pile on a créé contenu divertissant sur TikTok et puis il commencé tout il a une vidéo sur TikTok côté là pour raconter une vidéo une scène new côté lui juste faire une ladeau et puis il était comme ça ouais il ouais grand pile notification qui vient sur téléphone là pile notification là j'ai dans pile notification pendant ça qui passe et puis là il regarder le c'est un pile monde qui apply commenter vidéo là you know by qu'on est long plateforme fait paraître ton coup TikTok en 2020 valait mon qui atteindre son pas obligé grand pile monde follow c'est un pile il y a un pile monde oui grâce avec surtout avec for you page là oui ça dit mon n'a pas obligé follow parce que TikTok son plateforme qui passe sur interest et qui ça moun nan intéressé si moun nan intéressé avec ça TikTok a montré li donc sou créer contenu sou ça moun yo intéressé a ou pa besoin moun nan pa besoin follow la paraît sur for you page li sou ça te joué en pile tout et puis il te poster en pile contenu après il vienne ouais comme si moun yo commencé remet ça la faire il te comme ça il te compte poster 3 vidéos par jour imagine tu vas poster 3 vidéos par jour sur TikTok nan moment TikTok t'es vraiment vous connaissez le trafic. Il va tout affluence ça. Yeah. Le fait nous connaissons le trafic organique, tout. Vous avez atteint un pile de monde, ils ne sont pas dépensés comme ça. Si. Oui, même oui. Le trafic organique, c'est le trafic ou pas contrôlé. Nous postons un contenu, l'algorithme a décidé de m'équivaler les gens ou abjoindre. Sans qu'on ne paye. Sans qu'on ne paye. So, c'est comme ça, ils postent un pile chaque jour, tout, d'après ça, ils disent. Ils consistent. Imaginez, on poste 3 vidéos par jour, et puis ils consistent. Ils étaient bons, tout. Ils postent bon contenu, tout. Et ils ont une formation dans la cinématographie. Oh, avant. Okay. Avant même d'être commencé sur TikTok, sur TikTok, j'ai des informations à donner. Donc en tant que acteur pour le café personnel ça, je le fais là et puis ça t'aide tout, ça et puis ça. Oui, en dit stratégie par là, c'était pratiquement créer contenu. Créer contenu. On comprend. Bon contenu et puis poster souvent. Et puis c'est ça TikTok. Qui fait attirer comme si qui veut augmenter visibilité li, attirer moun vers lui même pour le cas moun nier journée jeudi. Et puis tendance TikTok là tout. Oui, à l'époque il était jeune social media ça t'a monté en flèche et puis lui même il profiter de l'opportunité ça juste pour te caler lui même créer contenu sur ça. Bon, son bonne stratégie. Grand pile monde qui utilise stratégie ça, au joueur par exemple Kabila lui même tout, il était utilise stratégie ça tout. Journée jeudi comme si Jean TikTok venir hier. Nous pas dire que stratégie ça a toujours marché parce que ces jours-ci on prend TikTok là qu'on y a là pour pas seulement en partie for you qu'on y a faut des fois faut vous payer ou bien pour algorithme la montre plusieurs monde vers ou même bon on dit que je ne jodi a pas même gens encore mais toujours gain l'autre moyen qui existait reprendre gain monde qui décide qu'on y a Instagram qui gain reels tout disons c'est à peu près même idée même idée TikTok là même idée TikTok là bien que TikTok là gain plus et moun sou li mais Instagram tout utiliser reels tout et puis bon kounya social media yo plus tourné business tout que partie fun nan partie éducatif là sou pas d'accord tout pense toujours que partie fun nan mais moun yo vin ouais tout moun yo en pile moun a utilisé pour business li évident li évident que business yo commence à comprendre tout opportunité que t'as gagné sur les réseaux sociaux, c'est ça que fait ça. Et puis, un peu de jeunes commencent à faire une carrière comme ça, en tant qu'un créateur de contenu, ou après les têtes aux YouTubeurs, Instagrammeurs, TikTokers. Ça veut dire qu'ils font une carrière. Ils font une carrière. Yeah. Parce que TikTok, opportunité a toujours là sur TikTok. Une bail qui te fait, qui te surprend moins, c'est que d'après vous, qui monde qui gagne plus de followers sur TikTok, c'est Kabila Me. Oui. Charlie D'Amelio en deuxième position. Moun sa ou c'est moun qui commence à créer contenu sur TikTok. Comme si c'est créateur. C'est pas moun qui était fameux avant TikTok. C'est moun qui vient fameux après TikTok. Mais là, on regarde Instagram. Qui moun qui gagne plus followers, c'est moun qui était fameux déjà. Déjà. Avant Instagram, on dit Cristiano. Exactement. Moun sa ou. So, TikTok, on dit j'en favorise les créateurs. Moun qui a créé contenu original. Ça veut dire que j'étais une célébrité. C'est ça que fait me dire opportunité toujours là sur TikTok. C'est qui gens pour exploiter seulement. Gens pour exploiter.
Parce que on dit qu'on y a tout, je ne veux dire, et TikTok là tout nos stratégies. Il est incontournable. Ou pas qu'un créateur, ou pas qu'un business, qu'on y a pour seulement focus sur Instagram, Facebook, et puis ça pour pas mettre TikTok là en plan. Oui. On parlait de yon pays, par exemple. Parce que qu'on y a des pays qui a build brandio, comme si pour moun, pour augmenter le tourisme. On prend exemple Dubaï, par exemple. Dubaï, c'est là ça, il vient spécialisé, il prend pas qu'être bon TikToker, il prend pas qu'être bon influenceuse, influenceur, il prend yo, il fait vivre dans pays là en façon pour yo comme si pour vendre pays là sur réseaux sociaux et puis lui même pour attirer touristes vers lui-même. Qui paye aussi? Dubaï. Dubaï. Okay. Exactement. Et on dit tout, il y a tout l'homme qui rentre dans bail là tout, Mexique, tout l'homme rentre là-dedans tout. Il y a plusieurs pays qui rentre dans bail de façon ça. On dit un pays qu'on y a là qui besoin vendre tête li sur réseaux sociaux. Quelle stratégie vous pensez le cas utiliser d'après vous? M'bans au con faces of aid. Oui. Moi mes travail à faire. Oui. Moi mes travail à faire. C'est pratiquement et c'est ça à faire tout. C'est ça à faire tout. Il y a des images pays dans quoi Haïti. Au moment j'ai ouvert sur internet là, ouvert bien. Il y a des dans ça tout. Et pas vendre Port-au-Prince seulement. Qui est très important. Seulement aller en province surtout ça vraiment intéressant. Bah c'est supposez qu'il y a plus d'initiatives comme ça, côté individuel, nous pas obligé d'être un gouvernement seulement. D'où est-ce qu'il y a l'autre monde individuel, comme si l'autre monde qui choisit volontaire, qui choisit vendre l'image pays, à bien tout sur Internet là, chaque monde, chaque haïtien qui a utilisé Internet là, j'ai eu participer dans ça, j'ai eu contribuer dans ça, parce que chaque monde, son média, chaque monde. Soit posté comme si. Du world ride. Oui, on pas besoin. C'est tout le monde là, on pas besoin de pile. Ben c'est tout le monde qui est dans le pays a, comme si, qui a participé, qui comprend ça tout. Ben c'est le gouvernement qui a un rôle pour jouer dans ça, okay, pour les encourager ça avec des programmes, avec des. Bah, lui offre mon nom, mais ça va trop partir, pas trop connaître comment oui, pour oui. Mettre ça, pour bien expliquer comment il a fait ça. Il y a des gens qui ont bien compris. Même ben c'est oui, les gars encourager ça. Parce que depuis encourager ça, depuis on moun wè. Depuis on moun wè, ou récompenser on moun qui font travail comme ça, plus moun avant vivre. Depuis on moun wè, gouvernement, soit alba, li récompenser on moun qui a une image pays bien sur les réseaux sociaux. Avant vivre tout. Oui, tout le monde va rentrer là. Yeah, li encourager. Parce que c'est où le gouvernement a joué. Parce que, yeah. Oui. Chaque monde suppose participer. Dans oui, parce que qu'on n'y a pas besoin de pile. On moun ka gen simple téléphone à utiliser chaque jour. Ou ka servir avec pour vendre un pays. Pour vendre l'image pays. Ou prendre une façon positive, disons. Tant que vous pas besoin écraser. Ou prendre l'autre monde. C'est là ça que plus fort pays entre qu'on y a. Et mon cher, nous gen bagay pour nous vendre, m'a bon menti. Gen pays qui pas gen tout ça gen yo et qui entre dans façon ça et puis eux même y a vendre ça gen mais nous gen bagay pour nous vendre. Yes, assure. Oui. Assure. Oui, on nous prend un entrepreneur, nous prend un content creator, nous prend un candidat, nous prend un pays. Et puis on dit un simple monde comme si qui pas qu'on a rien du tout dans affaire réseaux sociaux. Et puis qui contacte là dit ah Gaëtan mon cher besoin belle présence moi sur réseaux sociaux. Qui pas commencer. On dit que on fait un plan là actuellement. On a dit que par 1 2 3 4 mais que ça l'a fait. Pour qu'ils soient les grandes présence sur réseaux sociaux. Pour qu'ils soient les faire. Oui, ça est la première question que tu as posée. Qui sont les faits? Est-ce que c'est un personal brand? Est-ce qu'on est anonyme? Est-ce qu'on voulait pas être visage? Comment est-ce qu'on ne veut pas être visage? Qui voulait être anonyme? So, qui sont les faits pour qu'ils soient utiliser les réseaux sociaux? Pour qu'ils soient les grandes présences? C'est la première question que tu as posée. Oui. Par exemple, mon Nadou et mon cher, on va me connaître et j'ai juste besoin de populaire. Ok. Ça plus pas être comme un qui veut grandir marque personnelle. Marque personnelle. Qui veut grandir personnel brand. OK. Oui. Premier bas là d'avoir aller si dans marque personnelle d'avoir aller dans OK. Qui skills ou gain? La première question d'a poser. Qui skills ou gain? Qui genre de personnalité? Est-ce que son monde ouais ou à l'aise en vidéo? Est-ce que son monde qui écrit bien? Qui skills ou gain? Dans qui sont bon? Parce que ça que vraiment va le faire différence là c'est par exemple grand le monde qui va comprendre ça. Lorsqu'il y a plusieurs skills différents, lorsqu'on met ensemble, ça vraiment pour le faire personnel pour nous différents. Exact. Ou pour le créer en catégorie pour quoi? On dit un économiste,
et puis li gen li bon dans l'autre domaine tant que philosophie on dit un économiste qui bon dans digital marketing on colle deux ça ensemble ça gète bon ça gète en tant que personal brand ça gète détaché de l'autre monde qui dit un économiste tout sur réseaux sociaux parce qu'on l'autre skills ou mettre ensemble pour qu'après partie économie on mélange à ça comment pour faire passer un contenu pour faire passer son point son domaine donc ça dit prévoir là c'est pour un test de personnalité, ça a payé de tout. Ok. Pour un test de personnalité, je ne sais pas si j'ai vraiment qui test là. Même si un test, je prends. Et donc, quel type de personnalité tu as, mais à qui personnage je semble plus. Okay. Ça, je connais des gens qui ont déjà pire là et bon, qui pire bon qu'on l'autre, donc on a fait recherche là. Et puis, je connais skills, je connais personnalité. Donc, on peut aller, ok. Il y a un troisième point. Qui met, ok, qui est l'autre point. Gen jwenn niche comme si gen une importance pour gon niche ou pas capable parler de tout bagay OK pour gon niche mais j'aime toujours aller pour les malon mon dit qui j'en pour choisir c'est j'en pour jwenn niche c'est jwenn découvrir son remet avec son fait bien et puis découvrir sa monde dans prêt pour payer pour lui sa monde dans besoin c'est-à-dire yo prêt pour payer pour lui donc au cas jwenn niche ou dit ça est focus et puis pour vraiment bien positionner pour cas vraiment on a les points qui like positionnent qui audience ou cible on dit qui monde qui intéressé avec son bois produit qui monde qui a besoin il y a un monde qui a écrit sur le business c'est monde qui ramène le business entrepreneur qui audience ou cible ça important tout la fin quand qui audience ou cible OK qui problème audience ça faire face dans domaine ou créer contenu OK au fin clair sur dit ou écrit le fond liste de problèmes à faire face et vous venez avec skills ou yo avec connaissances ou OK qui genre est-ce qu'on qui problème ou ka résoudre dans problème ça ou gagne à travers contenu là ou dit qui ça qui soit ka aider moun ça résoudre dans problème ni gagne pour ka clair sur qui direction à bail personnel Benoît ça c'est tout un exercice dans sens ça nous pouvons même arriver dans qui plateforme réseau social pour choisir c'est tout ça ou pour être clair sur yo avant. Mais parfois, on ne pas clair sur commencer, ça pas problème. Mais avec le temps, on découvre, mais tout autant clair sur lui avant, qui n'est chose, qui sont pour parler. Puis, après, parce ça, c'est un choix plateforme. Là, nous finissons qu'on audience, là, nous finissons qu'on est dans quel domaine, ou après, le contenu, si fashion, si technologie, ok? Nous finissons clair sur ça, qu'on a choisi la plateforme. J'aime te dire, qui skill tu? Qui skills ou et puis qui ressources ou gen? Gen moun ki tout déjà gen ressources ou gen caméra, yon gon ti skill nan filmmaking, nan videographie, yon konne. N'ap tout commencé nan vidéo? Est-ce que n'ap commencé son chaîne YouTube? Est-ce que n'ap fait Instagram? Est-ce que n'ap fait TikTok? Kou nan la, m'gen doit toujours dou en plateforme de TikTok. Nou ka, la préférable pour nous commencer sur lui. TikTok, YouTube. Parce que TikTok, on ti j'en favorise créateur yo. Et ap pi bon sou fon choix de TikTok pour ka konsu personal ben nou à cause de avantage TikTok gen nan bouman. Pour qu'atteindre plus de monde, soit pas dépenser quoi de façon organique, ou poster une vidéo grâce à For You page, ou qu'atteindre un pile monde, ou qu'à jeune un pile valeureuse, ou qu'à garder audience là, présent sur les réseaux sociaux, dans moins temps par rapport avec une plateforme qui pas favoriser contenu organique. So, il y a tout ça là-dedans. Est-ce que son monde qui pire mais écrit que vidéo, pas à l'aise derrière caméra, tout ça rentre dans stratégie. OK, nous devons aller dans carousel Instagram. Exact. Faire carousel, nous devons utiliser Twitter pour nous faire micro-blogging. Il y a plein de monde qui sous-estime Twitter, mais Twitter, toujours un monde qui grandit en plateforme sur Twitter dans un moment. J'en vois Twitter, Twitter qui est difficile, mais il y a des gens qui écrit bien, qui compte faire micro-blogging, qui compte que j'en pourrais utiliser Twitter ou grandir audience sur Twitter. Bien sûr. Là. Mais en termes de premier réflexe, moi, t'as deux plateformes comme Instagram, Twitter et TikTok. Et puis YouTube, ta plateforme ça. Je vraiment créateur first comme si vous voulez focus sur créateur first je t'a préféré je t'a bon sur les grandir en personal brand mais LinkedIn tout j'aime tout là ça va dépendre de audience sur visée professionnelle voilà et puis domaine où on tient plus business to business ou focus sur monde qui B2B business, B2B LinkedIn a vraiment une bonne plateforme pour vous, so, pour qu'on dit et hey, LinkedIn vin gen yon parti créateur koun ya ou ka switch profil ou pou vin yon profil créateur de contenu. On dit son paquet d'exercices. Son paquet d'exercices. Ou kon pou ça mwen évoqué bay ça pour montre ou bagay parce que faut que moun yo comprenne bien. Comme si l'on moun décide li dit que OK l'entrée dans domaine créatif là l'entrée dans domaine créer contenu hein
puis go travail la pas fait l'elle pour créer contenu puis go travail la fait c'est l'elle a fait préparation pour le faire pour le build branding c'est ça ouais tout bagarre on dit là puis faut travail là c'est l'elle mon a build brand là sous papier lié parce que faut que mon a con skills li faut que mon a con qui j'en pour l'adapter skills li qui faut qu'on audience li et puis après tout bagarre ça ou et puis c'est là qu'on va commencer à créer contenu pour des mouns comme si pour audience soi. Yes. C'est ça qu'on peut comprendre. Parce que moun yon touche gen pour les mouns qui touche comprendre. On prend téléphone non pour juste record et vous lage. Yeah. Et puis sans qu'on par contre qui soit pour le faire, qui soit pour le dire. Après un petit temps, ouais, moun a changé en l'autre personnalité. Ça qu'on a un problème. C'est-à-dire, pour le bagage là, c'est sous papier pour lire. C'est sous papier pour commencer. Ou faire soit faire sous papier d'abord. Et puis après ça, ou lage l'en créer contenu. Yeah. Yeah. C'est compter tout d'abord. Oui. C'est pas ça qu'a fait sur les réseaux sociaux. Oui. Yeah. Ok, doit après inspiration de l'autre monde. Bien sûr, no, bien sûr. Pas un problème dans ça, mais ok, qui sont qui veut se souvenir, qui ce qu'ils ont, qui quand on veut aller. Est-ce que parce que leur choix, on bat un sujet, un domaine, un niche pour créer contenu là-dedans. Faut qu'à ouais, tu dois faire ça dans 5 ans minimum. Voilà. Est-ce qu'on a une passion? Est-ce qu'on a toujours envie de créer ce domaine ça? Oui. On a tout ça là-dedans. Y compris pour podcast tout. Yes. Parce que nous tous les deux c'est au podcast nous connaissons ça bien. Nous pas juste rester et puis nous juste ok nous prenons micro nous et puis nous parlons quoi dans un épisode comme ça. Nous écrivons, nous écrivons question, nous faisons recherche sur Mounio pour qu'on qui domaine. Nous faisons des choix à bien avant que nous venions recorder. C'est pour Mounio comprendre ça. Il y a un autre exercice qui est important encore à un monde qui veut, n'importe quel individu qui veut commencer sur les réseaux sociaux dans un moment ça, c'est garder ça manqué dans le marché en termes de contenu. L'idée doit toujours dans fashion nuit, mais garder qui côté l'autre monde fashion nuit va aller pour aller là même. Exact. Parce que l'autre fait ça, il ne peut pas le faire, l'autre fait ça, il ne peut pas prêt pour le faire, il ne peut pas. Il connaît, il doit faire, mais il ne peut pas le faire. L'autre là, la font des différences la pédo par exemple gagne plein monde qui pas un exemple bien simple il est pas obligé exactement ça non gagne plein monde qui pas mais ajouter sous-titres dans vidéo OK me dit OK chaque homme font vidéo m'a pas ajouter sous-titres moi allons en Jean plus loin après mon ouais trop temps pour l'ajouter sous-titres OK là me font vidéo même m'a pas ajouter sous-titres ça en valeur dans contenu mieux parce que me connais me ca faire ça il pas bon problème écrire taper rapide sur just m'ajouter sous-titres là. Parce qu'on est créole, il n'y a pas de sous-titres là automatique. C'est au point que sous-titres. Exact. Sous n'importe logiciel ou petite vidéo. Oui. Donc, chercher qui ça moun pas prêt pour faire. Par exemple, on moun t'a ou Mr. Beast qui domine YouTube. Yeah. On ne doit pas connaître. Vous avez le Jimmy, le grand channel qui est le Mr. Beast, il est presque à 100 millions. Il est à 99 millions abonnés sur YouTube. Vidéo, lio, vraiment, comme si, ou pas un moun qui a fait même style vidéo, ça a tellement allé au deux là. Exact. Mais elle te fait commencer après toute saleté qu'on fait. Elle dit, ou qu'elle doit dire qu'obligé, qui fait la fête toute vidéo extrême ça, mais soit elle regarde au commencement, elle t'a fait commencer, les vols qu'on gagne, c'est j'en investis dans la vidéo, lui, comme si j'en allais pour le baron, touche unique. Il fait ça, moun yo pas prêt pour le faire. Tout le monde qui est dans la chaîne, yo pas prêt pour le faire. Par exemple, quand l'autre créateur, quoi que les José Zuninga, il écrit sur la grande chaîne qui est le Teaching Men Fashion. Soit, monsieur, là, il y a une vidéo chaque jour. Mais dans le contenu, il y a l'autre monde qui dans même l'autre créateur qui dans même fashion là, qui ba yo pas après pour faire une vidéo pas et pas bon tout ba yo et pas bon tout conseil yo gain monsieur à l'au-delà comme si il est vraiment bon mais que je vous maintenir ça mais que je vous comment mais qui style de mais qui soit besoin dans pendre comment pour gain faut réfléchir sur ça garde dans marché là est-ce que dans niche moun yo plus focus sur bel design je pas focus sur profondeur dans contenu. C'est pas faux que ce profondeur n'est pas une citation à partager ou même aller dans profondeur, partager expérience, aller dans histoire personnelle, faire case study. Yeah. Tout ça est différence. Qui j'en fait différence. Ok, là, moun yo ça ou fait. Yo font vidéo, yo partager quelques astuces, mais yo va faire. Gardez qui ça qui manque. Qui j'en aller au-delà de ça. Yeah. Et une chose qui est très important et pas peur échec. Pas parce que c'est pas tout monde pas tout créateur ouais, vous parlez de Mr. Beast, vous parlez de un paquet monde l'autre monde tout créateur ça à un moment donné
yo t'ai envie de décourager ou bien t'ai pris un échec. Oui, il pas de facile. Il pas de facile. Jounen jodi a la comme si n'ay yo ka gen plusieurs followers, vous comprenez ça me dit, mais gen plusieurs vidéos passé inaperçu. Inaperçu. On comprend gen plusieurs bagages que vous fait qui passé inaperçu, même c'est pas de faire décourager. Mm-hmm. Yo continuer, yo créer, je sais c'est ça qui idée. Vous comprenez c'est où là ou créer, c'est créer, continuer créer ou pas jamais connait côté ça qui arrive. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Sous même point sur touché à gion recréer rec 703 yo te fait pour créateur man sou konnen. C'était une histoire en créateur contenu qui t'a créé contenu sur TikTok. Mhm. J'ai arrivé sur 702 vidéos pas gagné qui fait comme si pas gagné en pile, pas jeune en pile followers, pas gagné vidéo qui viral, pas jeune en pile like. Et puis sur 703, 703e vidéo, il y a le viral. Et puis à partir de là carrière monsieur take off. Mhm. On a lié à 2 millions followers sur TikTok. Parce que je n'ai pas créateur, mais il y a 2 millions de followers sur TikTok. Sous même point pour persévérer. Quand il y a créateur de contenu, il n'y a pas même pas de chance pour créer même 50 vidéos. Il y a été découragé. Même 50 vidéos. Donc, pas de garantie vraiment que ça va faire marcher parce qu'il faut qu'on nous bon. Oui, c'est ça que je me dis, il faut qu'on te tout, il faut qu'on te dise qu'il y a qui soit prêt pour faire pendant 5 ans. Oui. Mais, il n'y a pas jamais de chance pour créer. Pour créer avec une consistance pour ouais ça qui arrive. Exact. Depuis exact. Tout 3 mois, bah un par grand fait le campé. Il a abandonné. Il a abandonné. C'est ça le problème là. Ça veut dire au moins bah tu as tout chance pour ouais ça qui arrive. OK, on fait 2 ans produit sur domaine ça pas marché. OK, ouais, ou ca switch. Bien moi bah tu as tout chance pour ouais ça qui arrive. C'est vrai pas une garantie. Gon bah quel est rebranding. Yes. Donc pile business qui fait ça. Yes. Yo commencer créer un produit, yo commencer bah un service, yo elle pas ca marcher, yo font rebranding même compagnie encore qui juste changer nom, ben changer le et template, changer logo et puis après ça, li vini, li marché. Yes. Parce que li essayer, li wèl pas marché, li recadrer tête li. Et yon nan bel bay ki gen expérience ou te gen lò fè sa k pa marché a vini do fè sa k marché a pi bien. Voilà. Parce que gen lò pendant t'a fè sa k pa marché a, ou vin bon nan fè vidéo, ou vin bon nan écrit caption, exact. Ou vin bon nan comme si ou vin à l'aise caméra. Ou nan lò jwenn sa k marché a, ou te kof la den. Te kof la den parce que te gen skills a ou pendant t'a fè tout bagay sa. Oui, c'est ça. Grand pi moun ki pa konprann ça. Yeah. Mon cher, bon, on a un passé en troisième point. On dit que qui conseille qu'on cabaye un créateur, un entrepreneur, un simple citoyen, je ne veux dire comme si qui décide de la montrer tête li dans social media juste pour lui, soit pour augmenter visibilité, pour le vendre produit, pour le vendre tête li ou bien whatever ça le caillier. Qui ça ou ka dit qui conseille? Premièrement, c'est un bon choix, c'est choisir de utiliser les réseaux sociaux. Ça c'est un bon choix parce que décider sur les réseaux sociaux pour faire business. J'aime dire là, c'est vraiment spécifique à chaque monde, mais ça m'a dit c'est créer contenu qui est vraiment focus sur les audiences. Parce que je veux dire, leur créer contenu qui vraiment focus sur les audiences, on va commencer à jouer un résultat. Parce que même pour vous faire service, vous faire son solution, un problème audiences, ou déjà, poton bay pour aider mais pour nous créer contenu qui a aidé aux gens parce que là on va commencer jouer une valeur parce faire un jeu comme si j'aime se dire faire un jeu dans domaine ou pour c'est une référence là au besoin on va dans fashion de vin coton le besoin bah la technologie yo checko yeah mais une conseil me de ca encore que ce soit un créateur un entrepreneur c'est focus sur construire une communauté. Parce que je dis, contenu c'est quoi, mais communauté a noté qu'a dit c'est l'Ukraine. Parce que, on m'a dit qu'il y a 10 000 followers, mais si on pas vraiment de communauté, ou après les gens qui posté pas grand, puis les gens qui engagé, c'est seulement un chiffre. Exact. Mais battre pour une communauté qui réagit sur ce contenu. Il y a des gens qui disent mon bagage, je saisis. Dans la conférence, je suis allé à Marjorie, un créateur de contenu, il était dans le bail. Li di la te gen 1000 followers, li te kontakte tout moun sa ou. Se m si li ekri tout moun sa ou men moun fwa. Mersi paskou follow mwen, komon e, ki kont nou ta reme we. Te sezi, paskou sa vreman bon, an tem de konsyon kominote. Li te gen 1000 followers, nepot moun ki ekri la pre pou repon yo. Li kon si, moun yo sati yo gon relasyon avel. Par rapport avek kon moun ki gen 10 000, ki pa vreman, oui, chif la important. Kom si gen 1000 followers an important. Men debi li te gen, kon yon li an 12 000 followers sur Instagram, sur TikTok. Mais depuis avant, ouais, comme si le focus sur la communauté, nous aider la communauté. Comme si, par exemple,
Avantage social le bas sur ton business, là on fait billboard là, on pas vraiment gon feedback direct pour ouais réaction audience ouan, mais là on a gon relation direct avec client yo, avec potentiel client yo, avec audience ouan, qui vient bon possibilité pour construire une communauté qui puisse tight, pour jouer un feedback, pour améliorer service ou et puis pour jouer nouveaux fans, pour moun sa off sentir faire partie de yon famille. Oui, oui. Et puis gen Kevin Kelly qui était venu avec un concept qui est 1000 true fans, 1000 vrais fanatiques. Yo, par exemple, chaque monde, chaque créateur de contenu a une possibilité pour jouer 1000 vrais fanatiques. Yeah. Mettre faire sauve-le, mettre poster sauve-le, ou à tout jouer 1000 monde ça. Yeah. Dans le sens, je te dis, exemple, ça, c'est juste pour qu'on ait, même si on n'est pas fameux, même si on n'est pas populaire, mon cas toujours qu'on soit business. Parce que 1000 vrais fanatiques, ça, peu importe. Là, on dit vrais fanatiques, mais ça, on dit. Peu importe qui produit ce petit monde après pour l'acheter. On sort son livre. Livre en format PDF, le Kindle, le dur, on n'a pas chez tous les trois. Mm-hmm. Comme si c'est tellement livré fanatique que je le supporte tout. So, il y a possibilité pour jeune faire 1000 vrais fanatiques, 1000 monde ça qui a prêt pour acheter dans moi, 1000 monde ça peu importe qui veut sous gain, on fait 100 good bénéfice sur un produit, un exemple. Mm-hmm. 100 multiplié par 1000. Gain ton bagage, gain ton oui, même oui. Si c'est pas un business qui n'a niveau voulez là, mais on gagne en rentabilité. Oui, 1000 vrais fanatiques. Et pour moi, c'est couillot exactement, c'est business. Donc, pour jeune monde, ça, il faut focus sur construire une communauté. Ou construire une communauté, leur focus sur vraiment prendre soin aux gens. J'ai cette godine, on ne peut pas faire marketing, on ne peut pas gagner un parti pour mon ouvrir sa vie. Mm-hmm. Chercher contre d'autres, qui peur, qui problème, yo, et puis créer contenu qui aide à résoudre le problème. Bah, aux solutions. Il y a des créateurs qu'on a suivi, soit en vidéo, soit en article, on m'appelle. On dit quelqu'un fait mais c'est comme ça que t'as passé dans tête moi voilà par contre nous c'est oui. Tellement le gars en partie les mettait dans place audience client pour le cas créer pour lui et puis like les connecter avec donc c'est focus sur quoi sur communauté je dis content is king contenu c'est roi mais communauté a vraiment important tout. Oui sans communauté à mettre poster n'importe sauver on va jamais jouer un feedback ou besoin mon cher pas de n'importe de communauté à. Et je vais me dire dans le commencement de l'émission, on a une page Instagram qui est vraiment instructif, vraiment éducatif. Et podcast à tout, qui est très instructif. Mon cher, dis-moi qui j'aime bien connecter à vous. Qui n'a pas de cas ça, qui côté vous attendez, qui n'a pas de sur Instagram. Ben, vous avez une information sur vous pour connecter à vous. Donc, à connecter avec vous sur Instagram, avec sur TikTok, sur Twitter, at Gaëtan Casso. C'est Gaëtan. Et puis, Casso, c'est C-A-S-S-O. Et puis podcast ça c'est marketing réseau social, il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor. Le vous tapez marketing là en anglais c'est M A R K E T I N G. J'en connais marketing là et puis réseau social là c'est créole. Marketing réseau social nous sur plateforme yo à Cajun. Et puis les visuels intéressants avec invité intéressant pour apprendre plus sur comment vous utiliser réseau social pour grandir business ou en tant que créateur de contenu, en tant que entrepreneur. Mon cher, je suis content de vous dans le podcast. Ça, mon cher, son honneur pour moi pour nous faire conversation ça avec vous. J'aime toujours dire. Je suis content de participer tout, car bien sûr. C'est honneur moi. Bien, j'aime toujours dire tout invité. Ce n'est pas le dernier épisode là. C'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Vous comprenez pas, c'est qu'il y a des bagailles pour nous parler toujours. Une heure de temps, deux heures de temps pour passer. Nous avons fait une journée pas de marketing, réseaux sociaux, n'a pas de digital marketing, tout bagaille ça. Yo. Mais. En mettant fin à l'épisode là, n'abrégez pas encore quand même. Et puis pour nous faire une fête parler. Yeah, même content ça tout pour une deuxième fois disponible. So, m'de content conversation de facile moi non sens pas. Bien sûr, c'est domaine nous. Mes questions. Ah ben ok, merci en pile, mon cher Kimbella Valagi. Merci encore. Pas négliger suivre nous sur toutes plateformes yo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pas oublier, vous pouvez suivre nous tous sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts pour qu'à compte prochain invité, n'a pas pour nous recevoir dans l'espace ça. Restez branchés.